Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Voyez, il y a une chose qui perturbe beaucoup de gens de Dieu, c'est l'amour qu'ils ont alors pour leurs amis. Pour ces personnes alors qui sont utilisées par Dieu, elles ne sont pas la solution. Mais la personne est capable de mépriser une révélation de la parole parce qu'un tel a dit « Ah, je crois en ce un tel ». Non, n'y croyez pas. C'est écrit là dans Jean 5, 44. « Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui provient de Dieu seul ?» Mes frères, cet honneur qui vient de Dieu, c'est ce que vous devez chercher. Dieu n'en a pas. J'ai des amis, mais je ne dois pas leur donner l'opportunité de me diriger. Non. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous devez faire cela. Non. Mais j'ai le Seigneur. Je peux prier au nom de Jésus. J'explique ma situation alors au Seigneur. Il se révèle à moi et j'y vais et je le fais. Et pour tout ce que je fais alors sous sa direction, je vais alors avoir du succès. Et là, je pourrais croire. Et je ne reçois d'honneur de personne, ni je ne vais donner d'honneur à personne. Regardons cette personne qui a été grandement bénie. J'ai un problème d'arthrose, d'arthrite. D'arthrose. Vous êtes de la famille? Ma fille. Je suis sa fille. Une béquille humaine. Une béquille humaine, alors, depuis combien de temps? Je pense que ça fait 4 ans, plus ou moins. Toujours avec la béquille humaine? Oui, toujours. 4 ans, marchant avec le déambulateur. Et maintenant, après le déambulateur, la fille est devenue une béquille humaine. Hein? Donc, comment est-ce que vous marchez? Montrez-nous. Comme avant. Comme ça. De cette façon. Lâchez-la, Raquel, à présent. Allez-y, sans elle. C'est terminé la béquille humaine, voyez? Comme c'est beau! Nous allons prier à présent. Père, nous ne voulons donner des honneurs à qui que ce soit, non, mais ni recevoir des honneurs de personne. Père, si nous avons fait une bonne chose, loin de nous ce certificat, alors ce diplôme, ces applaudissements, c'est pour ta gloire. Mais quand le Seigneur alors nous honore, là, oui, Dieu, nous parvenons à y croire. Et c'est pour cela que je veux croire à de grandes choses. Et je veux que le Seigneur honore alors ces personnes, que le Seigneur libère ces personnes. Au nom de Jésus, et amen.